Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, escape game à la maison, donc un escape game de Pâques. Donc je serai accompagnée de ma sœur. Donc bien évidemment, on ne vous dira pas toutes les solutions, les cachettes et tout ça. Sinon, si vous voulez le faire chez vous, c'est pas intéressant. Donc du coup, dans la description, il y aura le lien de où on peut trouver toutes les informations pour l'escape game. En fait, c'est un lien où vous allez tomber sur le site de l'entreprise qui est une entreprise nantaise qui s'appelle Dynamite et qui propose des escape games en général pour les entreprises. Mais avec le confinement, ils ont eu l'idée de proposer un escape game qu'on pouvait faire à la maison. Voilà. Donc je trouve ça super comme initiative. Oui. Ça nous occupe en tout cas. En tout cas, oui, ça voilà. Bien nous occuper la journée. Et, puis voilà. Et donc, du coup, le lien, lorsque vous prenez contact dans entreprise, vous notez rien du tout et vous notez bien l'âge des participants. Voilà. Parce qu'il y a plusieurs niveaux en fait, de difficultés. Voilà. Donc, eh ben, c'est parti. On va y aller. Je me présente, je suis Julie et j'appartiens à l'ordre des enchanteurs. Nous sommes à la recherche depuis plusieurs années maintenant d'un précieux trésor magique qui ne cesse de se déplacer tout seul à travers le monde. Je prends aujourd'hui contact avec vous pour une affaire de la plus haute importance. Nous venons d'apprendre que le trésor serait en ce moment même caché quelque part à l'intérieur de votre maison. En cette période de confinement, il nous est impossible de venir le chercher. Nous avons besoin de votre aide de toute urgence pour nous aider à le trouver enfin. Par chance, ce trésor n'est pas très discret et il laisse à la vue des indices à chaque endroit où il passe. Votre mission aujourd'hui, si vous l'acceptez, est la suivante. Mettre la main sur ces fameux indices, puis découvrir l'emplacement du trésor avant qu'il ne reparte vers un autre lieu, c'est-à-dire avant 45 minutes. J'ai déjà un petit indice pour vous. Il semblerait que les premiers éléments qui vous mettront sur la piste sont dissimulés quelque part dans votre salon. Fouillez bien, il y a plusieurs choses à trouver. Êtes-vous prêts ? Il y en a 12 en tout à trouver. Ouais, c'est les pièces d'un puzzle. Je ne vais pas retirer tous les trucs. C'est bon. C'est bon ? Tu veux que j'y aille ? Ouais, j'y vais parce que j'aime pas le. T'as regardé un truc ? Je suis pas sûre que t'en aies dans les livres. Si ? Dans lui ? Et alors ? Est-ce que j'en ai mis qu'un seul ? Oui, bah je. Secoue le livre. Ouvre-le et secoue-le. Malone l'a fait quand même celui-là, je tiens à préciser. 10. Bah, on n'est pas sorti de l'auberge avec toi. Enfin ! Alors vous êtes à combien ? 11, il me semble. Ah, plus celui que j'aimerais ajouter. Bah non. Sinon vous auriez tous trouvé alors qu'il en manque un. Donc 6, 7, 8, 9, 10, 11. C'est juste devant vos yeux, mais. Ouais,
c'est sur... sur... Donc là, il faut que vous reconstituiez le puzzle. Ouais, peut-être que c'est pas un con après, hein, je sais pas. Ouais. Il me faut une suite de blancs comme ça. C'est bon! Donc ça fait. Donc là, il y a un indice du coup. Un coffre-fort. Mmh. Est-ce qu'il n'y a pas un autre indice? C'est un coffre avec... On est déjà réfléchi, madame. Quoi? Un coffre-fort. Oui, ouais, c'est bien, mais c'est pas ça. Mais je sais pas, ça a un rapport avec ça? Ah bah peut-être. C'est celui là. Ah oui, là. Bon, on a trouvé, c'est celui-là. Et si tu le faisais glisser? Faut le lire? Non. Lis, Bah oui, faut... non, tu le lis pas, tu devines sans lire ce qu'il y a de marqué. Depuis la nuit des temps, il me recherche par tous les vents. À ton tour aujourd'hui, petit détective, mais il va falloir que tu t'actives. Et dans ce message, comprendre à quel endroit te rendre, bonne chance, bon courage, et que malgré les virages, notre rencontre, enfin, ne soit pas qu'un mirage. Code à déchiffrer. Alors, comment vous allez le déchiffrer, ce code? Mais là, c'est des points virgules, donc en fait, il faut trouver ce qu'il y a Oui, entre... c'est lequel... Non, c'est... Pour moi, c'est... Il faut trouver c'est lequel nombre qu'il faut choisir. Soit le 1, soit le 7. Les deux sont à choisir. Donc c'est ce que j'ai dit. Non, t'as dit soit l'un, soit l'autre, dis donc. Mais je vais pas... Et donc, faut faire des plus, des... C'est bon? Attends. Là. Bon bah, on a trouvé. Ah bah c'est parti. On l'emmène ça. Bon, t'es pas obligé. Normalement, vous avez trouvé deux choses. À présent, munissez-vous d'une tablette ou d'un téléphone, puis scannez le QR code ci-dessous. Tu l'as? Attends, je remets au début parce que du coup... On recule, mais ça, du coup ça sert à rien. Après, on a entendu quoi? On a entendu le chat. Donc on avance. Le chat qui n'aime pas l'eau. Le chat, donc on avance. Donc, et on va là. On l'a trouvé! Bon, j'ai trouvé parce que je fais tout. On voit non mais l'autre. Oh bah ça va loin, ouais. Mais c'est trop bien. Tiens, joli. Tiens. Si c'est un truc à lire. Vous êtes décidément surprenant. Le trésor semble se rapprocher à grands pas. Vous ne le savez peut-être pas. Mais nous avons un complice sur place qui vous accompagne depuis le début de votre mission. Voilà, elle se montre pas à la caméra. C'est moi. Donnez-lui le code secret et il devrait avoir quelque chose pour vous. Donc le code secret, c'est avec ça. Orange, le sac orange, il est où? Il est là. Mais ici. Et le signe, c'est lequel? C'est lui. Non. Toi, un cercle jaune qui est ici et qui est ce signe-là. Hein? On a trouvé!
Oh, j'ai un peu aidé quand même. Allez là. Oh, c'est un chèque. Combien? On a gagné le million. Non, je rigole. T'es prête? Bravo détective, la route fut longue jusqu'ici, mais vous voici à présent parvenus à la toute dernière étape de votre aventure. Trois mots codés sont cachés quelque part autour de vous, trouvez-les vite, ils devraient vous guider vers l'emplacement du trésor. Dépêchez-vous, le temps presse. Vous avez déjà été de toute façon. Donc c'est soit dans la chambre, soit ici. Ou soit en bas. Je suis sûre que c'est là en plus. Mais c'est quoi comme indice? T'as trouvé quelque chose? Non mais va fouiller autre part. On remarque lui il connaît sa chambre, c'est ce qu'il y a dedans. Est-ce qu'il n'y a pas? Ça se trouve on n'est pas du tout là, Mifo. Si. C'est bon? Vous pouvez le résoudre là. Prier. Pied. Trop pas. Alors c'est quoi le mot? C'est là? L'étoile qui fume. Et voilà, c'est en rapport avec ça, puisqu'il y a toutes les étoiles. L'étoile qui fume pas, elle a fait une grenouille. Mais c'est une toilette qui fume avec le tube. Mais non, c'est une grenouille qui tire la langue. Non, c'est une grenouille qui fume. Ça, vous êtes contents tous les deux. Attention, t'as trouvé le trésor? Ça se trouve pas du tout. C'est du papier toilette. Oh, alors là, tu viens de mettre tout ça. Joyeuse Pâques. C'est bon, j'ai choisi. On a galéré pendant 35 minutes et oh. Ouais, c'est bien, vous avez fini avant qu'il soit l'heure. Ça, tu me donnes ça. Oh, merci. Bon, bah, impeccable. Alors? Ouais, c'est bon, on a terminé là. Et? Ah, oh, ouais, c'était super bien. Sacré chantier, hein. Ouais, par contre ça fait prendre, ça prend, je recommence, ça prend beaucoup de temps, mais c'est bon, de toute façon ils vont tomber juste après. Ça prend énormément de temps, ça passe vraiment le temps en confinement, c'est assez bien, et bah voilà, donc ça sera en description si vous voulez le faire. Ouais. Merci. donc voilà, c'était sympa et puis voilà. Ouais, très bonne idée de... Merci. Très bonne idée de dynamite, franchement ça occupe pas mal. Hein. Sympa. Ouais. Donc, ouais. Bon, je vous ai aidé un petit peu un ou deux moments. C'est sûr, mais on peut pas le dire ça. Il y a des énigmes, faut ouais. comprendre. Ouais, mais c'est bien, c'est ça qui fait l'escape game. Ouais. Hein. Donc super. Ouais. Très bonne idée, ouais. De dynamite. Ouais. Donc dans la description, il y aura le lien pour faire cet escape game. Bien évidemment, il faut du temps pour le préparer et pour le faire. Non, on est en confinement. Hein. Oui, mais même, il faut quand même du temps. Ouais, ça se prépare. C'est vraiment... Bah déjà, il faut découper tout ça. Faut les cacher dans des endroits. Il faut bien suivre les notices. Où faut les cacher, dans quelle pièce, voilà. Et tout ça. C'est vraiment très très bien expliqué. Hein. Ouais. Franchement, tout est... Pour celui qui organise, voilà, il y a des instructions qu'on reçoit avec les feuilles à télécharger et imprimer. Et c'est vraiment très très bien indiqué et décrit pour pas qu'on soit perdu dans le jeu en fait. Ouais. Donc super. Ouais, c'est vraiment super. Donc voilà. Bah si vous avez aimé cette petite vidéo, si vous l'avez appréciée, bah mettez un pouce bleu. Dites-le moi. Non, ça se dit pas ça. Si. Dites-le-moi en commentaire. Donc j'ai une chaîne Twitch pour ceux qui veulent passer. Donc ça sera dans la description aussi. Donc bye bye tout le monde.